Eh bien bonjour à tous, là on est avec la bête et le déchaumeur à disque. Et vous voyez derrière moi c'est les tournesols. Et oui, on a déjà battu le 17 août. Tellement inhabituel que bah on en perd ses dates en fait. Ce que je vais faire, j'ai laissé le réglage au déchaumage superficiel parce que tout simplement il vient de pleuvoir hier, je crois que c'est 3 mm, enfin peut-être pas ici. C'est l'autre jour, c'est le jour où vous allez moissonner, bah, vous allez mouiller 1 mm. 1 mm à la ferme. Mais ça se trouve là, il y a Ran qui est tombé. Oh putain, on est sec quand même. Bon là, la chinte, elle avait été binée. Et au milieu, ça avait été désherbé en rattrapage. Là, c'est tournesol désherbant. Mais... pour vous montrer quand même, binage avec les deux désherbages et sans le binage, et ben quand même c'est pas déconnant hein, le binage là cette année ça avait bien marché. Bon là j'avais fait un loupé de désherbage, ça avait laissé des kénopodes. Où c'est qu'il y en a qui avaient né plus tard après, je crois. Peut-être dans le mois de... Parce que cette année, c'est l'année des kénopodes. Et ce qu'on a fait... Bon, c'est peut-être pas trop bien broyé, mais bon... broyé à 9 km/h, à 8-9 km/h, c'est... C'était juste pour déchiqueter un peu des tiges, vous voyez. Parce qu'il y en a, ils diraient, oh, ben, on passe directement le déchaumeur, mais... On part pas de ce principe, nous, chez nous. Quand même, vous voyez, ça a déchiqueté une bonne partie. Et là, le but de ce déchaumage, bah, déjà, c'est d'arracher. Vous voyez, bon, il n'y a pas eu beaucoup de pertes. Hein. Ça fait un rendement moyen. C'est pas catastrophique quand même. Parce que vu la pluie qu'il y a eu, on a eu moins de 15, même pas 15 mm en 2 mois. Ce qui avait laissé une lueur d'espoir de bon rendement, c'était les 95 mm fin juin, mais ça n'a pas suffi. Vous voyez là, ici, il avait réglé la machine. Vous l'avez vu de toute façon en vidéo avant. Il avait réglé la machine, et puis voilà. On va essayer de ne pas battre la poussière quand même, ça serait con. Et là, vous voyez, dans la chinte, ça avait laissé quelques régras. Quelle saloperie, là. C'est un peu le but ultime, là, que je me... Détruire les 2-3 herbes qui restent. Et faire net... ce que je vais faire, le contour de ce côté. Et là, la chinte en bout et en bout. Parce que je vais me secouer la paillasse, comme j'avais biné à buter de chaque bout, là... À broyer, c'était un peu l'enfer. Mais bon. Vous voyez quand même que binage plus désherbage, et ben c'est un billard, il n'y a plus rien. Ce que je vais faire, je vais descendre. Là, ça fait un bruit de racasse. Ah ouais, c'est que ça vibre dans les. Je vais descendre les déflecteurs. Bordel de Dieu. Je regarde dans l'écran, on fait pas le même effet. Ah bordel. Putain de bordel ça. Quand on est pas en face, on rentre pas dans le creux. Hein. Mettre la petite goupille des familles. Je m'en suis rendu compte
Ah, j'ai mis un fil de fer du coup. J'avais perdu la goupille de l'axe là-bas. Heureusement que ça s'est pas démonté. Hein. Je te garantis qu'on aurait fait bizarre hein, avec le broyeur. Parce que si la chandelle se démonte, ça va pas bien. Et puis voilà, on va être parti. Là, il y a 10 hectares. Hein. 10 hectares, ça devrait. Celui-là, il doit aller mieux. Là. On devrait aller assez vite avec ma petite bête et son jouet. Donc ça va drôlement bien. Mais on parlait avec Alex en premier déchômage, conditions humides. Bon là c'est un terrain. Mais on a remarqué nous avec le père tous les déchômages de juillet qu'on a fait avec le crever crop et la déchômeuse. En conditions sèches, ça rentre. Parce que ce que j'avais vu, ça use, comme on disait avec Alex. On use, lui, il se plaint de ses boudins de merde, là. Pour l'instant, moi, ça va. Mais je l'ai pas trop utilisé en conditions sèches. Je l'ai vu sur le deuxième déchômage, là-bas, où j'ai semé les couverts. Ça va très bien. Mais en premier déchômage, conditions sèches, lui, il faut le laisser à l'abri. Vous allez user plus que tout le matériel. Faut mieux prendre soit un déchômeur à dents qui rentre ou un crop. Mais là, vu que ça a été brassé il y a mi-avril, ça va rentrer tout seul et ça va pas poser de problème. Bon, allez, on va arrêter de discuter parce qu'il y a 10 hectares quand même. Bon, bah, le petit pont avant des familles. Bon, la cabine a été propre. J'ai percé un sac d'avoine dedans. Et les coutons de soleil qui sont arrivés. C'est le bordel. Sans la cabine, elle est restée 48 heures propre. Et puis voilà. Bon là, il y a une petite prise des familles. Un support. Vous verrez une surprise. Et je vous en dis pas plus. Bon, bah allez, hop. Hein. On est parti. Bon là, le voyant rouge, c'est un capteur. Voyant, on l'a même pas battu la poussière. Je disais au père, on va gratter, il y aura. Bon, je ferme la cabine parce que vous avez pu m'entendre. Là, vous voyez, je vais fermer la porte, les vitres. Faut que je vous retrouve la vidéo où David, il en parlait là des. C'est les décibels. Bah voyez la luzerne, elle va avoir eu 7 mm je crois ou 6. Elle est déjà en train de repartir. Ça c'est impeccable. Le couvert, bah, à part l'ancienne luzerne et le maïs, c'est pas grand chose. Vous voyez, en tournesol désherbable, c'est beaucoup plus propre. Il y a d'autres endroits là, j'ai directement attaqué au Roundup. Parce que là où j'ai pas pu faire de rattrapage, c'est très sale. Au lieu de broyer et de déchaumer, j'ai fait du Roundup hier. Vous voyez, il y avait quelques repousses de maïs, mais mon couvert n'est pas né. Ben, je pense pas, là il y avait des repousses de blé. Et c'est marrant, on voit ce que vous voyez en travers là, du déchômage, c'est les passages de roues de presse cubique. Quand ils ont fait la paille, c'était un peu frais.
Et vu que c'était un labour ici, ça a pas mal marqué. Et là, l'ancienne luzerne. Putain, il y a des pierres là. L'ancienne luzerne, là, j'ai semé le couvert le 15 août. Par rapport à en haut, là, j'ai décalé de 15 jours. Et vous voyez, ça l'a même pas détruite. C'est la luzerne, elle a eu un labour. Après, enfin, on avait déchaumé avant. Un labour, on a semé le blé. Il y a eu deux hormones, deux déchaumages, et vous voyez, elle est encore là. Après, on va pas s'en plaindre. Oh, la poussière, nom de Dieu, de fils garce. On n'a même pas battu la poussière. Ça, c'est terrible. Mais bon, je suis pas descendu avec vous régler la bête. Parce que je sais que là, c'est un léger déchaumage. Pas léger, je dis ça, mais... 3 cales, ça fait plus de 3 cm, mine de rien. Oh, c'est impeccable, ça. Et là, je vous ai dit, je rabatte la chinte. Je rabattais la chinte ici. Et où mon troisième rang. Ouais, à peu près comme ça. Ouais. Oh non, c'est là. Ça m'évitera de me secouer tout à l'heure. Parce qu'en fait, je vais pas prendre les rangs tout droit. Je vais les prendre en biais. Déjà ça, bah ouais, je prends les rangs un peu dans l'autre sens et c'est beaucoup moins propre, hein. Et je voulais pas défaire mon désherbage en binant, et si j'avais voulu j'aurais pu biner tout le champ. Mais vraiment là c'est nickel. Et pour faire ça, là, fallait faire un prélevé, tandis qu'ici, là, j'avais juste fait les graminées. Et après, deux postes levés à demi-dose pour les chardons et toute merde possible. Parce que forcément, là, j'espère qu'on va faire lever l'herbe comme on veut. Mais au printemps, ça s'est pas passé comme on voulait. Le premier passage de vibro, on a détruit, mais le deuxième, que dalle. Ça tendu de net quand je tourne sol à nez. C'est un peu comme ça que ça se passe. On ne fait pas comme on veut, et puis là, on est le 19 août, et puis je déchaume. On va dire, la fraîcheur, non, elle n'y est pas, mais... Y a pas le choix. J'ai en profité pour détruire l'herbe parce que bon, elle, premier coup de chaud, elle a crevé. Ouais, bah, je crois que je fais bien de déchaumer en travers parce que... Ouais, là, je voulais faire comme... non, je vais pas me faire chier, je vais prendre en biais. Parce que si je prends tout en travers comme ça, je vais me donner... Ouais, 30% de... 30% de biais, on va voir ça tout à l'heure. Allez hop, on continue derrière le tournesol.
Écoutez un peu.